Les membres de la communauté Chemin Neuf de Côte d'Ivoire ont célébré la Pentecôte au foyer Saint-Joseph des jeunes travailleuses de Cocody-Danga. Pendant la messe, le père Abraham Meizan a exhorté les fidèles à se laisser guider par l'Esprit-Saint, descendu sur les disciples de Jésus 50 jours après Pâques. Donc l'Esprit-Saint, c'est le don promis par Jésus. C'est le maître intérieur, comme le dit certains anciens de l'Église. C'est celui qui a la foi, la présence intérieure du Père et du Fils à l'intérieur de nous. Et c'est l'Esprit Saint qui nous donne de crier Abba Père, qui nous donne de reconnaître véritablement voilà, qui est le Fils, qui est le Père. Très belle fête de l'Esprit Saint et nous rendons grâce pour les 50 ans de cette communauté que nous avons connue et aimée. La cérémonie, marquée par la méditation et le partage de la Sainte Cène, a encouragé les participants à surmonter leurs peurs pour annoncer l'Évangile. Comptez sur la force du Saint-Esprit, la grâce du Seigneur, et puis voilà, œuvrez pour avancer. Donc, un très bel accueil parce que ça vient confirmer ou rajouter à ce qu'on sait déjà. Et reste dans le cœur de tous les chrétiens, n'importe confession. Cette célébration a coïncidé avec le jubilé d'or de la communauté, marquant ses 50 ans. Les fidèles ont célébré l'unité et la dévotion, offrant des dons généreux avant de se quitter dans une ambiance fraternelle.